Une délégation de haut niveau de la République de Djibouti, conduite toujours par M. Ilyes Moussa Dawale, ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, a récemment tenu une rencontre cruciale avec Ousmane Dion, vice-président de la Banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Une rencontre qui s'est déroulée dans un climat de coopération mutuelle et a également vu la participation de plusieurs figures éminentes du gouvernement djiboutien. Les discussions ont été centrées cette fois-ci sur le renforcement du partenariat stratégique entre Djibouti et la Banque mondiale, avec un accent particulier sur la nécessité de promouvoir une croissance inclusive. Les participants ont souligné l'importance d'un secteur privé dynamique capable de générer des emplois, surtout pour la jeunesse qui constitue une part significative de la population. Un point essentiel des discussions a été la nécessité d'accroître la résilience des communautés vulnérables, notamment dans les zones urbaines, ainsi que d'assister l'état de la gestion des systèmes financiers. Les participants ont également abordé le soutien de l'État pour le renforcement des infrastructures, qu'elles soient digitales ou énergétiques, tout en veillant à ce que les opportunités de développement soient accessibles à tous.